Ok, c'est bien mon Sparrow, ouais. Ok, les chiens, allez. Marius et Louis font leur baptême en chien de traîneau, un traîneau remplacé ici par un quadricycle que les 10 bêtes de l'attelage tirent pendant près de 3 km. Les chiens, allez! En tout, 22 chiens assurent une rotation pour permettre du repos pour tous. Cette initiative est le moment idéal pour découvrir ce sport délocalisé en bord de mer. C'était très bien, on allait assez vite quand même. Ouais, j'ai adoré, j'aimerais bien en refaire. Dans les descentes, ça allait vite et on est allé à l'arrière pour piloter un petit peu. Ouais, c'est une chouette alternative et du coup, c'est vrai que c'est plus simple, c'est pas très loin de la maison, donc c'est chouette. Voilà 10 ans que l'association des chiens nordiques de Vendée propose cette expérience. Un rendez-vous en partenariat avec la mairie de la Barre de Mont, très prisée. La centaine de places a très vite trouvé preneur. Dans l'imaginaire des gens, voilà, il y a une part de rêve un peu, les chiens de traîneau, la neige, etc. Bon, il y a la proximité ici en Vendée qui permet de pour des gens qui n'ont pas forcément ou les moyens ou la possibilité d'aller à la montagne, bah, de découvrir ce type d'activité, qui plus est à un prix... ultra attractif puisque donc c'est la mairie qui fixe les tarifs et voilà, ça défie toute concurrence quoi. Pour les plus téméraires, l'association propose aussi une randonnée de 7 km en 30 minutes, mais pour cela, il faudra se ruer sur les places lors des prochaines éditions.